السلام الله عليكم سيدة، بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد. من خلال فيديو اليوم سنتطرق لفرض المرحلة الثالثة. الفرض الأول في الدورة الثانية مادة اللغة الفرنسية للمستوى الرابع بجميع مكوناتها. قبل أن نبدأ في إنجاز التمارين وأسئلة هذا الفرد، أذكركم كالعادة أنكم ستجدون صور هذا الفرد بصيغة PDF في صندوق الوصف. إذا نبدأ على بركة الله. Le vrai trésor. Au moment de la récréation, le maître ordonne aux élèves de rester en classe pour écouter leurs camarades badre. Ce dernier passe devant. Mes chers amis, notre santé est un vrai trésor. Les médecins nous conseillent de pratiquer du sport et d'adopter un régime alimentaire sain. Le vrai trésor, الكنز الحقيقي. Au moment de la récréation, وقت الاستراحة، le maître ordonne aux élèves de rester en classe. طلب الأستاذ من التلاميذ باش يبقوا في المدرسة في القسم، pardon، في القسم داخل حجرة الدرس. pour écouter leur camarade Badr، باش يسمعوا الصديق ديالهم بدر. ce dernier passe devant. بدر جا قدامهم، وقف قدامهم، وقال: mes chers amis، أصدقائي الأعزاء، notre santé est un vrai trésor. صحتنا هي واحد الكنز حقيقي. لي ميدسان نو كونساي دو براتيكي دو سبور، الاطباء كينصحونا باش نمارسو الرياضه. دادوبتي ان ريجيم اليمونتير سان، وباش نتبعو واحد الحميه غذائيه مناسبه. كيل لو تيتر دو سيت اكس، ما هو عنوان النص؟ Alors, عنوان هذا لو تكست هذا هو لو فغي تريزور. الوغ غادي نكتبوه لو فغي تريزور. كيل اي لوتور دو سو تكست؟ الوغ لوتور دو سو تكست سي محمد السنحي. Quels sont les personnages de ce texte? Alors, quels sont les personnages du texte? Je connais ma شخصيات ديال هذا le texte هذا ديال هذا النص. Les personnages de ce texte c'est le maître. Alors, le maître, les élèves et Badr. Alors, les personnages. Du texte sans le maître, les élèves et Badr. Répond par vrai ou faux en mettant une croix dans la case. On a dit je veux vrai ou faux le monasiba. Elle a coulé la jumla. La santé est un vrai trésor, c'est vrai. Les médecins nous conseillent de manger trop faux. Les médecins qui sont dans le sport, pratiquer du sport et d'adopter un régime alimentaire sain. Les médecins nous conseillent de pratiquer du sport, vrai. Les élèves écoutent leurs camarades Omar, c'est faux. Les élèves écoutent leur camarade Badr. Taclou la grammaire. La grammaire souligne les phrases exclamatives. Alors, on va les phrases exclamatives.
La phrase exclamative se termine avec un point d'exclamation. La mer est calme aujourd'hui. La mer est calme aujourd'hui. Comme la mer est calme aujourd'hui. Alors, phrase exclamative. Phrase exclamative. Tu as de la chance. Tu as de la chance. As-tu de la chance? Quelle chance tu as? Alors, la phrase exclamative. Comme la mer est calme aujourd'hui, quelle chance tu as? Les phrases exclamatives. Mais, le signe qui convient à la fin de chaque phrase. Point d'interrogation ou bien point d'exclamation. العلامة المناسبة قدام كل جملة. Où iras-tu en vacances? Où iras-tu en vacances? Alors, point d'interrogation. علامة استفهام. عندنا هنا سؤال. Question. Quel beau coquillage. Quel beau coquillage. Point d'exclamation. عندنا هنا تعجب. Que l'eau est froid. Que l'eau est froid. Point d'exclamation. Suis-tu nager? Pardon, sais-tu nager? Sais-tu nager? Non, alors, où iras-tu en vacances? Quel beau coquillage! Que l'eau est froid! Sais-tu nager? Complète les phrases avec un mot. Un des mots suivants, quel ou bien quel. Quelle belle robe, quelle belle robe. Alors, quel. Joyeux clown. Quel joyeux clown. On a un féminin singulier. Quelle belle robe. On a un dit féminin. Pardon. Masculin singulier. Quelle triste fille. Quelle triste fille. Alors, on a un dit féminin pluriel. J'aime un net. Quelle triste fille. Alors, quelle. Souligne l'adjectif qualificatif de chaque groupe nominal. Alors, on a un net cool jumla. Des fruits, mûrs. Alors, l'adjectif qualificatif, mûrs. Une longue promenade, longue. Une langue. Cette plante majestueuse. Cette plante. Alors, l'adjectif qualificatif majestueuse. Conjugaison. Complète les phrases avec les verbes. Le verbe faire conjugué au présent de l'indicatif. Comme Ahmed s'est cassé la jambe. Nous, l'école à la maison. Alors, nous faisons. Cette année, mon frère a un stage de plongée. Alors, cette année, mon frère fait. A-I-T. Vous, toujours plaisir à vos parents. Vous faites. Je, du sport pour me défouler. Je fais, A-I-S. Je fais du sport pour me défouler. Complète le tableau du conjugaison. Le verbe dire, l'indicatif présent. Alors, vous dites. Maintenant, il y a des. Alors,
vous dites il ou bien elle, troisième personne du pluriel. Ils disent il ou bien elle, troisième personne du singulier, dit, it. Je dis, is. Nous disons. Alors, monsieur Mouchkil, tu dis. Le verbe écrire au présent de l'indicatif, vous écrivez. Il, elle, troisième personne du pluriel, elles écrivent. Il est troisième personne du singulier, écrit. Alors non, j'écris, is. Nous écrivons. Tu écris. Conjugue les verbes pronominaux entre parenthèses au présent de l'indicatif. Alors, on a le verbe pronominaux au présent de l'indicatif. Alors, avec je me, tu, te, il, se, nous, vous, il, se. Alors, c'est l'été. Le verbe se promener avec je tous les matins. Alors, c'est l'été. Je me promène. Je me promène tous les matins. Est-ce que tu, tout de suite, se doucher. Est-ce que tu te douches? Tout de suite. Elle se rend avec sa voiture personnelle. Elle se déplace. Le verbe déplacer. Se déplace. Les éléphants sont herbivores, ils se nourrissent de végétaux et se nourrissent, ne rissent de végétaux. L'orthographe. Recopie les mots, puis entoure là où les lettres qui font le son S. Le son S. N'est comme trop S. Une histoire. Une course. Casserole, alors S. Le tissu, S. Tasse, S. Alors, une histoire, une course, casserole, le tissu, tasse. Dans chaque liste, trouve et barre l'intrus. Alors, il y a tout là, l'aïha, غادي نقرا ونقلب على الداخلة. Une chemise, une histoire, un sac, une soupe. Pardon, une soupe. Chemise, histoire, sac, soupe. Alors l'intrus, c'est chemise. Nana S se prononce Z. L'homme le bakrim qui entre S. Le raisin, le soleil, triste. Une course, le raisin. L'intrus, c'est le raisin. Classe les mots dans le tableau. Je vois la lettre S. J'entends S, j'entends Z.
des noisettes. Alors, j'entends Z des noisettes. J'entends Z des noisettes. Le soleil, j'entends S. Invisible, invisible, j'entends Z. Une moustache, j'entends S. Une moustache, j'entends S. Une cuisine, j'entends Z. Une cuisine, j'entends Z. Pansement, j'entends S. Pansement. Pansement, j'entends S. Désiré, j'entends Z. Désiré. Z. Une chose, j'entends Z. Alors, le soleil, une moustache, pansement, j'entends S, des noisettes, invisible, une cuisine, désiré, une chose, j'entends Z. Souligne l'adjectif qualificatif qui convient. Alors, là, radinstro, là, l'adjectif qualificatif. La plante, grimpant ou bien grimpante. Alors, là, on dit la plante féminin. Alors, grimpante. Grimpante. Un vêtement sec ou bien sèche. Alors, un vêtement dinaya masculin, singulier, sec. Des cheveux brunes. Bien, brunes. N'a pluriel, alors avec S. Ces desserts sucrés. Ou bien sucrés. N'a pluriel, alors sucrés. La production écrite. Remets les mots en ordre pour former une phrase. Santé, vrai, la, trésor et un. Alors, la santé. La santé. Est un vrai trésor. La santé est un vrai trésor. Calme, là, aujourd'hui, mère est. Alors, la mère, aujourd'hui, est calme. Alors, la mère aujourd'hui est calme. J'ai dans restaurant hier mangé un. Alors hier j'ai mangé dans un restaurant. Hier, j'ai mangé dans un restaurant. Mets en ordre le texte explicatif suivant. Ensuite, tu mets de l'engrais au fond du trou le jour de la plantation. Enfin, tu rebouches le trou en tassant fortement la terre au pied de l'arbre. Comment tu vas planter un arbre dans le jardin de ton grand-père à la campagne? D'abord, tu fais un trou dans le sol 2 semaines avant la plantation. Après, tu places l'arbre en étalant bien les racines. Alors, la phrase Lula, comment vas-tu va planter un arbre dans le jardin de ton grand-père à la campagne? Deuxième phrase, d'abord, tu fais un trou
dans le sol 2 semaines avant la plantation. Troisième phrase. Ensuite, tu mets de l'engrais au fond du trou le jour de la plantation. Après, tu places l'arbre en étalant bien les racines. Cinquième phrase. Enfin, tu rebouches le trou en tassant fortement la terre au pied de l'arbre. Relis chaque image aux expressions données. Faire du pain, semer les grains de blé, maisonner le blé, aller au moulin pour brouiller le blé. Alors, faire du pain. Deuxième image. Semer les grains de blé. Semer les grains de blé. Zara Hubub Al-Kamh. Moissonner le blé. Moissonner Hassad. Aller au moulin pour brouiller le blé. Dahab ila tahuna li husoul ala ad-daqiqa. Ou li tahn habat al-qamh. Ila huna nakunu qad wasalna ila nihayat video al-yawm. Adrabu lakum mawidan fi video qadim. Astawdi'ukum Allah alladhi la tadi'u wada'i'uh. Ma'a as-salama.